great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Ce matin, nous voulons t'élever, le Dieu qui dispose de toutes choses que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence et de t'écouter. N'est-ce pas, il est écrit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur, nous voulons que ta parole puisse nous guérir ce matin. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié, Père. Et tous, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce privilège d'être ce matin parmi vous. Et nous voulons dire merci à l'ange de l'Église, le pasteur Landou, pour la confiance. Et nous voulons aussi dire merci à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Puisque si nous pouvons parler, c'est parce que vous êtes là. Sans plus tarder, je voulais aussi recevoir un frère qui est mon collaborateur, la seule personne qui est là ce matin pour la toute première fois, les frères Franck, si vous pouvez encore vous lever. Que Dieu soit loué. Il y a aussi Maman Chantal, je ne sais pas si elle est là. Que Dieu vous bénisse. Ils sont vos frères de l'autre côté. Veuillez vous asseoir. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, Esther chapitre 2, 8 à 17. Esther 2. 8 à 17. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant Dieu, et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates
et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle pressait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance d'Akaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther conduite après auprès du roi Assuérus dans sa maison royale la dixième mois, qui est le mois de Tébet, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et il fit reine à la place de Vashti. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé « Les trois étapes de la vie d'Esther ». Les trois étapes de la vie d'Esther. Et la première étape de la vie d'Esther, Esther, elle était esclave. Esther, elle était esclave. Bien-aimés, vous savez, dans l'ancien temps, il y avait plusieurs manières de faire de quelqu'un un esclave. Et la première manière de faire de quelqu'un un esclave, quand ton père ou ta mère qui était esclave, il t'aimait au monde pendant l'esclavage d'office, vous aussi, vous devenez esclave. Amen. Et nous savons, bien-aimés, aujourd'hui, tous, nous naissons pécheurs. Non pas parce que nous avons péché, parce que Adam et Ève ont péché. Amen. Adam et Ève ont péché, et nous, quand nous naissons dans les péchés. Non pas parce que nous avons péché, mais parce que nos ancêtres ont péché. Amen. Et la deuxième manière de faire de quelqu'un un esclave, quand on te vend d'office, vous devenez l'esclave. Joseph est devenu esclave tout simplement parce que ses frères l'ont vendu. Non pas parce que c'est lui qui voulait être esclave, mais c'est parce que ses frères l'ont vendu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves, tout simplement parce qu'ils ont pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Une fois,
dans un pays étranger, j'ai vu une chèvre attachée. Mais la chèvre là pourrissait déjà. Vous voyez des mouches sur lui. Et moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette chèvre? Et quelqu'un me dira, cette chèvre-là, Mutumobimba. J'ai dit, Mutumobimba, cela veut dire quoi? Donc, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, et comme punition, c'est la chèvre qui paye. Et on me dira que les jours où la chèvre là va mourir, c'est le jour où la personne là va mourir. Donc il y a des gens qui sont esclaves, non pas parce qu'ils ont voulu devenir des esclaves. Joseph, il a été vendu. Alléluia, par ses frères. Et la troisième manière de faire de quelqu'un un esclave, tu t'es endetté. Tu n'es pas à mesure de payer la dette. D'office, vous devenez esclave. Nous n'allons pas lire cela, mais dans 2 Rois 4, 1 à 7, c'est une histoire que nous connaissons très bien. De cette femme qui était la femme d'un serviteur de Dieu. Son mari est mort et l'a laissé avec des dettes. Et la personne que son mari devait de l'argent vient vers la femme pour dire, paye ma dette. Si tu ne payes pas ma dette, je vais prendre tes enfants pour faire de tes enfants mes esclaves. Alléluia. C'est alors que cette femme va aller chez l'homme de Dieu et la solution sera donnée. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, il y a une histoire qu'on nous a relatée autrefois, 20 ans passés, alors qu'on était encore à la borne. L'histoire de deux jeunes hommes qui travaillaient dans un restaurant. Je peux donner l'exemple de Jean et de Pierre. Jean a volé le poulet. Comme il a volé le poulet, Pierre l'a vu. Pierre lui a dit, Jean, je vais t'acquiser chez le boss. Jean va dire, Pierre, pardonne-moi. Si tu m'accuses, je vais perdre mon emploi. Mais le sort de ma famille, il dit, Jean, si tu ne veux pas que je t'accuse, à partir d'aujourd'hui, promets-moi que tout ce que je veux te dire, tu vas faire cela. Et Jean dit, à vos ordres, il dit, vous, Bananyoyo, vous n'êtes pas sérieux. Fais-moi ça par écrit. Moi, Jean, je m'engage à partir d'aujourd'hui de faire tout ce que Pierre va me dire. Et vous savez, dans des restaurants, on fait des tours. Si c'était le tour de Pierre, Pierre dit à Jean, Jean, tu vas travailler à ma place. Parce que j'ai une occupation. Jean, s'il veut bouder, il dit, bon, moi aussi, il dit, souviens-toi du poulet. Bon, je vais travailler. Alléluia. Un jour, deux jours après, Jean, j'ai une fête. Ma nièce va se marier, tu vas travailler à ma place. Il dit, moi aussi, il dit, souviens-toi du poulet.
Amen. Et il travaille. Et un jour, Jean dit, trop, c'est trop. Quelqu'un peut dire, trop, c'est trop. Qu'est-ce qui est trop dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange toute ta vie ou ces jours-ci? Il faut dire trop, c'est trop. Je veux me débarrasser de ces problèmes. Je veux me débarrasser de ces problèmes. Tout dépend de toi. Jean a dit trop, c'est trop. Il est allé chez le boss. Il dit, boss, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, le boss, avec l'arrogance, il dit, Jean, ça ce n'est pas l'heure de parler. Ça c'est l'heure du travail. Il dit, boss, une minute seulement. Bon, parle, je t'écoute. Il dit, boss, un jour, j'avais volé les poulets. C'est pour là, je suis venu te dire ça. Et le boss se dit, ah, va travailler. Un poulet pour moi, c'est quoi? Vous savez, quand quelqu'un a toujours baissé sa tête, tu lui fais tout ce que tu peux lui faire. Il est toujours comme ça. Mais le jour où il va lever sa tête, sache que il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Pierre devait travailler. Il vient dire à Jean, Jean, tu vas travailler à ma place. Je dois sortir avec ma chérie. Jean dit, quand toi on te paye, tu me donnes ton salaire pour que je travaille à ta place. Il dit, souviens-toi du poulet. Il dit, poulet, je ne connais pas. Ah, tu vois, j'avais dit que Bino Bananio Yo, tu ne connais plus cette lettre. Il dit, non, je ne connais pas. Alléluia. Je ne connais pas. Si il dit qu'il ne connaît pas, non pas parce qu'il ne connaît pas, mais parce que il a été déjà pardonné. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Esther, esclave. Bien-aimé, vous savez, un esclave ne peut aller loin. Un esclave est limité. Un esclave ne peut pas progresser. Un esclave ne peut pas faire des percées. Tout simplement parce qu'il est esclave. C'est comme une chèvre qui est attachée. Même s'il est il veut manger ce qui est là-bas, il ne pourra pas parce qu'il est limité. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient encore en Égypte, Dieu avait fixé un temps. Et quand ce temps était arrivé, Pharaon ne voulait pas. Moïse pouvait aller lui dire, laisse aller ce peuple pour offrir les sacrifices pour son Dieu. Pharaon disait, vous pouvez aller, mais il ne faut pas aller loin. Vous pouvez aller, mais il ne faut pas sortir du pays.
Combien des enfants de Dieu, bien qu'ils viennent à l'église, mais ils sont encore esclaves. Esclaves du péché. Esclaves. Bien qu'ils chantent, bien qu'ils adorent, mais il est attaché. Il ne peut pas aller loin. Esclave, un esclave ne peut jamais annoncer la bonne nouvelle. Il ne peut jamais dire à quelqu'un, viens à l'église. Puis c'est quand il dit ça, on dit même toi aussi, tu vas à l'église à cause de sa vie, à cause de la vie sale qu'il mène. Ils viennent à l'église, mais esclaves de l'alcool. Cette semaine, on m'a appris l'histoire d'un monsieur que je connais très bien. Il travaille quelque part. Il est aussi élevé, mais il est esclave de l'alcool. Dès 5 heures, il quitte sa maison pour aller boire. Soit disant à sa femme, il est allé faire le sport. Mais il va boire. Quand il rentre, au lieu d'aller au travail, il dort. Pendant que les autres travaillent, toi tu dors. Tout simplement parce que tu es esclave de quelque chose. Amen. Il y a l'histoire d'une femme qui pouvait tromper son mari, soi-disant culte matinal. Je vais au culte matinal. Zamba mona pas assis. Au culte matinal. Quand elle va au culte matinal, elle entre dans une boutique d'un monsieur. Ils avaient un chien. Ces chiens-là suivaient la femme. Les chiens étaient derrière, mais la femme ne savait pas. Quand elle est entrée, les chiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand on force la porte, on croyait que la personne était morte. On force la porte, on les trouve. Culte matinal. Mais, église. Alléluia. Dieu esclave de quoi? Bien que tu viens adorer le Seigneur, bien que tu viens à l'église, tu es esclave de quoi? Je connais quelqu'un qui pouvait dire, si je veux faire ce qui est bien, mais en face de moi, le mal est là. Je ne fais pas ce que je veux faire. Mais, hein, cet esprit-là du péché est là. Mais un jour, il pouvait crier, qui peut me délivrer de cette chair? Peut-être toi aussi, tu te poses cette question. Mais laisse-moi te dire, Christ peut te délivrer. Christ peut te délivrer de ce péché qui t'accable je ne sais pas combien d'années. C'était ça, la première étape de la vie d'Esther. La deuxième étape de la vie d'Esther, Esther, elle était orpheline. Elle n'avait ni papa, ni maman. Peut-être tu es là, tu es orphelin, orpheline. Tu seras d'accord avec moi. Beaucoup des orphelins ne sont pas allés loin dans leurs études.
tout simplement parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Beaucoup des orphelins sont devenus des sorciers. Tout simplement parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Beaucoup des orphelins sont devenus des chiens gays. Tout simplement parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Et beaucoup des orphelines sont devenues des mères avant l'âge. Tout simplement parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Alléluia. Et Esther, elle était orpheline. Ça, c'est ce que je suis en train de penser un jour. Mardoché va dire à sa femme, ma nièce là est orpheline, elle n'a personne. Est-ce que il n'y a pas moyen qu'elle puisse venir et rester avec nous pour qu'on puisse l'aider? La femme de Mardoché pouvait dire, niette, pas ici. Si elle vient ici, moi je sors de la maison. Il y a des femmes comme ça ici. Vous êtes là, mais vous venez adorer. Vous aimez seulement tes propres enfants, mais les autres, non. Si elle vient ici, moi je sors. Mais Mardoché va peser de son poids comme homme. Il récupère Esther. Et quand Esther était venue, regardez comment ça, la femme de Mardoché l'a regardée. Vous êtes là. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas à Guémena, mais à Guémena, l'eau est difficile. Pendant que les enfants de Mardoché ronflaient, la femme de Mardoché, Esther, réveille-toi, va chercher de l'eau. Pendant que ses enfants sont en train de ronfler. Tout simplement parce qu'elle est orpheline. On pouvait payer les frais scolaires pour tout le monde, sauf pour Esther. Esther pouvait préparer, mais pour manger, c'est difficile. Vous savez, tout ce qui se passe chez nous, les voisins sont au courant. Il y a des mamans, des bonnes mamans qui pouvaient appeler Esther. Esther, viens. Allez, assis-toi, mange. Alors qu'elle mangeait là, Esther. Quand Esther venait, pas. Ils sont là. Maman, je n'ai pas eu telle chose. Pas. Alléluia. Moi, je me rappelle encore, on était en première primaire. On étudiait non loin de notre père cadet. Quand on terminait les cours, c'est là où on allait attendre les véhicules. Et quand on préparait, il y a un cousin qui pouvait nous dire, moi et ma grande sœur, quand on mange, quand je vous fais ça, il faut arrêter de manger. Quand on mangeait, nous on laisse. Un jour, on a préparé un pondou qui était amer. On mangeait.
On a arrêté. Le cuisinier dit, botiko lia, parce que pondon eza bololo. Pondon eza bololo te. C'est le mot d'ordre. Alléluia. Faites ce qu'on faisait avec Esther. Et parfois, quand l'argent pouvait disparaître à la maison, pas d'autres enfants, Esther. Un problème à la maison, Esther. Alléluia. Esther a fait ça. Esther ne pouvait rien demander dans cette maison. De peur qu'on puisse le faire pas. Alléluia. Peut-être tu es là. Tu es en train de souffrir. Esther, malgré qu'elle pouvait souffrir, mais elle comptait sur Dieu. Dans la souffrance, dans ce que tu traverses, compte sur Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit, il est le père des orphelins. Alléluia. Il est le père des orphelins. Je connais quelqu'un qui pouvait quitter Lubumbashi pour venir étudier ici. C'est son oncle. La femme de son oncle lui a fait ça. Et il pouvait dire que non, si je pouvais dire ça à ma mère à Lubumbashi, elle sera en conflit avec son frère. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Malgré ce qu'elle a enduré comme souffrance, Dieu l'a visité. Il est devenu grand. Amen. Et la troisième étape de la vie d'Esther, c'était la gloire. Tu peux dire à quelqu'un la gloire. La gloire. Esther, un jour, la femme du roi Vashi va désobéir au roi. Regarde ton voisin, dis-lui, Esther Azalanzela. Esther Azalanzela, Azoyo remplace. Esther, celui-là qui t'embrouille, qui te dérange au travail, hein, tu vas le remplacer. Hein? C'est lui qui n'aime pas ton bonheur. Esther Azanzela. Et Vashi va désobéir à son mari. Il y a des femmes comme ça. L'homme dit ça, elle. L'homme dit ça. Et les collaborateurs du roi ont dit non, pas cette femme. Il faut une autre femme. Elle n'est pas digne d'être la femme du roi. Si tu la laisses, toutes nos femmes vont faire ça. Et on a choisi des femmes dans un concours pour remplacer Vashi. Et Mardoché est allé dire à sa femme, chérie, tu sais, il y a un concours. On cherche une femme pour le roi. Et je pense que Esther peut être candidate. C'est pour dire que, ah, si Grâce avait l'âge, mais Grâce n'a pas encore l'âge, mais c'est Esther qui a
de l'âge. Et Mardoché va appeler Esther pour lui dire, il y a un concours. Mais moi, je pense que tu peux être candidate. Esther dit négatif. Négatif pourquoi? Parce que moi, je suis étrangère. Mardoché lui dit, ferme ta bouche. Tu as déjà dit ici. Qui sait que toi, tu es étrangère? Tu dois participer. Vous savez, il y a des gens, peut-être qui sont là, pour faire quelque chose, on doit les pousser. On doit les pousser pour le faire. Mais de lui-même, il ne peut pas faire ça. Esther pouvait dire, non, kokate, c'est impossible. Moi, dans ma vie, je n'aime jamais dire que je ne saurai pas. Puisque ceux qui ont fait, est-ce qu'ils sont différents de moi? Quand je suis arrivé à Guémena, je devais faire 180 kilomètres par vélo. Au moment où à Kin, je n'ai jamais fait même 2 kilomètres. Mais faire 180 kilomètres avec le vélo qu'on appelle à Guémena, à Goma, à Goma, ah, vous appelez ça Kimbambala. Quand je voulais aller, il y a des gens qui me décourageaient pour me dire, est-ce que toi tu sauras? J'ai dit non. Je voulais être comme celui qui avait commencé à quitter Guémena pour Libenge. Je voulais être comme lui. Je veux essayer cette expérience-là. Et j'ai quitté un jeudi vers 11h. On était parti avec quelqu'un qui était aussi avec son vélo. Il connaissait réparer. À 5 km, il commence à réparer. Et 18h, on était à 50 km. On a passé la nuit là-bas. On a quitté tôt le matin. On a continué. Et là, on passe la nuit à 52 km de Libenge. Et le samedi, vers 18h, on arrive à Guémena, à Libenge. Alléluia. Bien que j'ai fait 2 jours, mais je suis arrivé. Il ne faut jamais dans la vie dire que je ne saurai pas. Il y a des gens à l'église, fais ça, je ne saurai pas. Fais ça, je ne saurai pas. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, hein, en forgeant, qu'on devient forgeron. Alléluia. Mardoché lui dit, tu vas le faire. Et Esther dit, bon, comme tu as dit, je le ferai. Elle est allée. Quand elle arrive quelque part, la Bible dit, partout où elle passait, la grâce de Dieu était sur lui. Que la grâce du Seigneur soit sur toi partout où tu passes. Partout où elle passait, elle était spéciale. Parce que la grâce était sur elle. Et écoutez-moi bien. Alors que Mardoché a envoyé Esther, Mardoché ne l'avait pas abandonnée. Le matin, elle allait voir comment elle s'est portée. Le soir, elle allait voir comment elle s'est portée. Beaucoup de gens donnent des responsabilités à d'autres personnes. Ce n'est pas son problème, il va faire. Pas de suivi, mais Mardoché faisait le suivi pour savoir comment elle se porte,
comment elle va, comment on l'a traitée. Alléluia. Alléluia. La grâce était sur Esther. Et Esther pouvait être bien entretenue. Pourquoi? Parce que la grâce du Seigneur était sur elle. Et le jour du concours, la Bible nous dit, chacun allait à son tour devant le roi pour que le roi puisse faire le choix. La Bible dit, la première pouvait passer. Regardez comment elle marchait. Le roi la regarde. L'autre vient. Le roi la regarde. Alléluia. Maintenant, quand le tour d'Esther était là, vous savez, les choses de Dieu, c'est simple. Les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Pour avoir les mariages, ce n'est pas les maquillages. Ce n'est pas les mèches. Les mèches là cachent beaucoup de choses. Mais Esther était là. Le roi la regarde. Il prend la couronne sur la tête d'Esther. Yokasiko. Quand Esther est devenue reine, la femme de Mardoché, Esther moi nanga, la salanini, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Là maintenant, Esther devient l'enfant des femmes de Mardoché. Il ne faut pas accepter quelqu'un à cause de ce qu'il est. Même s'il n'a rien, donne-lui l'amour. Qui te dit que c'est seulement ton enfant qui va t'aider, qui va te soutenir, mais quelqu'un que tu as bien élevé peut faire mieux que ton enfant. Là maintenant, Esther devient la femme de la femme de Mardoché. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la gloire. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, père, tu étais esclave, tu es orphelin, la gloire de Dieu t'attend. Mais ce que j'aime à Esther, bien-aimée, malgré Esther était dans la gloire, elle était toujours obéissante à Mardoché. D'autres personnes, quand elle est arrivée, elle commence à manquer la personne qui l'a aidée, qui l'a soutenue. Mais Esther, elle était reconnaissante. De la même manière qu'elle pouvait obéir à Mardoché quand elle était chez lui, de la même manière qu'elle pouvait obéir à Mardoché quand elle était dans la royauté. Alléluia. Nous connaissons beaucoup de gens à l'église, priez pour moi, que Dieu me donne du travail. Je n'ai pas du travail. Pasteur Azomona Passi,
bandimina kolo yesu bazo mona pas ko lela. Mais quand toi tu seras dans la gloire, comme quelqu'un, il était dans une église qui n'était pas, hein, qui n'avait pas un bon cadre. On a prié pour lui, il a trouvé du boulot à la Monesco. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Cette église-là n'est pas à mon niveau. L'église qui n'est pas à ton niveau, c'est cette église-là qui a fait que tu sois ce que tu es. Et reconnaissant. Alléluia. Beaucoup de gens qui ne veulent pas, ils sont à l'église pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Ils voient l'intérêt. Je vais faire. Qu'est-ce que j'aurai? On ne sert pas Dieu pour un intérêt quelconque, mais on sert Dieu parce qu'on l'aime. On sert Dieu parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés. Nous, autrefois, nous étions égarés, sans espérance, mais il nous a donné de l'espérance et pour cela, nous le servons. Si pas ici, mais là où nous sommes, pour servir le Seigneur, je dois avoir quoi? Même pour jouer au synthé là, on doit te payer. Il y a l'histoire d'un frère qui était dans une église. Ce frère-là, pour jouer au synthé, on doit le payer. Un dimanche comme ça, il pouvait sillonner je ne sais pas combien des églises pour jouer afin qu'il puisse avoir quelque chose. Le dimanche, tu as ça, mais lundi, mardi, mercredi, samedi, tu auras quoi? Pour jouer, on doit le payer. Mais Dieu... Et Dieu. Et Dieu va permettre qu'il puisse faire un accident. Kama Bokuana. Oui, Beta Sainte Foi. Sapiwana. Alléluia. Alléluia. Esther était reconnaissante. Bien-aimée. Il y a la gloire devant toi. Mais quand tu seras dans la gloire, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas l'Église. Ne soyez pas seulement les chrétiens de dimanche. Le mercredi, j'étais là. Le vendredi aussi, j'étais là. Mais on n'était pas à ce nombre. Est-ce que nous tous là, on était vraiment occupés ou nous voulons seulement être, quelqu'un pouvait les appeler les Freddy. Vous connaissez les Freddy? Hein? Frère de Dimash ou de Serdi, des sœurs de Dimash. Alléluia. La gloire nous attend. Mais dans la gloire, il ne faut pas oublier le Seigneur. Amen. Nous allons nous incliner. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis.
Nous avons les yeux fermés. Le Dieu miséricordieux est là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te sauver. Tu es là ce matin. Tu as écouté ce message et tu es convaincu que tu es esclave, je ne sais pas, esclave de quoi. Mais le Seigneur est là. Il veut te pardonner. Lui, le Dieu miséricordieux, tu reconnais que tu es esclave. Je ne sais pas de quoi, là où tu es. Alors que tous, nous avons les yeux fermés, lève-toi. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier avec toi. Merci pour ceux qui se lèvent. Continue à s'élever. Ne te cache pas. Le Seigneur te connaît. Tu es esclave. Je ne connais pas en quoi tu es esclave. Mais toi-même, tu le sais. Tu es convaincu. La Bible dit, si tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Lève-toi. Tu es là. Tu aimes seulement tes enfants. Tu aimes seulement ceux de ta famille. Tu ne regardes pas aux voisins. Tu ne regardes pas aux autres. Mais tu viens adorer le Seigneur. Lève-toi aussi. Lève-toi. Tu es tellement égoïste. Lève-toi, bien-aimé. Tu ne fais que souffrir les autres. Tu ne veux pas le bien-être des autres. Lève-toi. Merci pour ceux qui s'élèvent. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre sincérité. Continuez à s'élever. Ne résistez pas. Tu es là. Peut-être autrefois tu n'étais rien. Mais aujourd'hui tu as une position. Tu oublies l'essentiel. Tu oublies Dieu. Peut-être tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, envers celui qui t'a aidé. Lève-toi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tu veux aussi la gloire. Là où tu es, lève-toi. Tu veux que le Seigneur puisse faire quelque chose pour toi. Lève-toi. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ces hommes, ces femmes qui se sont levés, Seigneur, en signe de reconnaissance envers toi, le Dieu de leur salut. Parmi eux, il y a des esclaves. Toi seul, notre Dieu, est capable
Seigneur, de délivrer, Seigneur, de sauver. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'il puisse être l'esclave de celui qui les a rachetés. Comme Paul pouvait dire qu'il est l'esclave de Christ. Qu'il soit des esclaves de Christ et non de l'ennemi. Père, il y a de ceux qui se sont levés parce qu'ils attendent de toi quelque chose. La Bible nous dit que tu es le Dieu qui accomplit les désirs de ceux qui te craignent. Père, comme ils te craignent, que leurs désirs soient accomplis. Non pas à cause d'eux, mais à cause de toi. Seigneur, merci pour cette parole. Grave cette parole dans nos cœurs et que cela apporte des fruits dans nos vies. Non pas des fruits qui périssent, mais des fruits qui demeurent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié, Père. Et tous nous disons Amen. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche avec Jésus-Christ. Et une semaine bénie. Que Dieu vous bénisse dans votre travail. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse nos enfants. Je crois qu'au cours de cette semaine, ils vont commencer les vacances. Que Dieu garde nos enfants durant ces vacances. Ce seront de courtes vacances d'un mois, mais que Dieu le garde et que Dieu le protège. Que cette semaine soit pour vous une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de succès, une semaine de victoire, au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous tous ensemble. Et assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, la gloire, la force, la puissance, la sagesse. Oui, nous te bénissons, ô Dieu. Toi, le Dieu qui nous aime. Toi, le Dieu qui nous a rachetés. Tu ne nous as pas rachetés par des choses périssables, ni par de l'or, ni avec de l'argent. Mais tu nous as rachetés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'appartenons, nous sommes à toi et nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes un royaume, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Merci Seigneur, merci. Bénis ton peuple, bénis les enfants qui étaient à l'école du dimanche, qu'ils soient bénis. Bénis en ton nom, Jésus. Bénis tous ces enfants. Que tu le gardes alors que vous commencez cette semaine les vacances. Et nous croyons que tu vas les bénir. Nous te prions de le bénir, de les garder. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous accompagne chaque jour de cette semaine. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse votre travail. Que cette semaine, au nom de Jésus-Christ, soit une semaine de bénédiction, une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur le diable, victoire sur toute forme de tentation. Et cela dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Allez en paix avec le Seigneur. How great is our God. Sing with me, how great.
is our